Votre nièce, la comtesse de la Porte Ouverte. Bref, dans la maison des courants d'air. Que voulez-vous insinuer, mon ami? Attention, à votre âge, on est sensible aux attaques de la jalousie. Pas moins que vous, ma bonne amie, aux assauts de ces jeunes nobles qui veulent vous protéger de ces courants d'air. Je vous avoue en effet qu'il y a de ces jeunes beaux mâles nobles qui la portent légère, la culotte. Vous tombez dans la vulgarité, madame. Oubliez-vous que vous êtes à mon bras et que vous me devez votre titre dans ce beau monde de la noblesse. Eh oui, cher comte de la culotte serrée. Je vous avoue en effet que je fais d'énormes sacrifices que de parader à ce bras décharné qui supporte un corps mou de partout. Une sorte de poupée Vétus faite de papier-monnaie. Un papier-monnaie qui vous sert à payer ces pauvres nobles pour qu'ils se retrouvent dans votre lit. Car vous savez bien, beauté rachitique, que ce n'est que ce papier-monnaie qui les attire dans votre lit. Mon ami, vous êtes odieux! Vous n'êtes qu'un pantin désarticulé qui n'est bon à nulle autre chose que d'imaginer les ébats des autres à travers les trous de ces rues. Mais comment faites-vous donc pour vous tenir accroupi sans que tout votre corps ne s'effondre dans la crise apoplexique? Mais moi, je jouis, madame. J'ai du plaisir, madame. Je ne fais pas semblant, moi, madame. Je ne me donne pas des airs de putain frigide. Je ne pèse pas mes mots, moi, madame. Mieux encore, je ne me fais pas croire que je suis désirable quand je ne le suis pas. Oh, mon ami, vous êtes un salaud. Un vieux vicieux de la pire espèce. Un enjôleur, un manipulateur, un fief inventeur. Oui, madame. Et à mes maîtresses, je leur en donne pour leur argent. Avec vous, ça m'endort. Je vous entends. Oui. Je vous entends. Je l'endors. Monsieur? Madame, je vous en prie. Je vous endors. Vous allez voir. Je vous endors. Mais pensez à votre rang, madame. En effet. Aucune pudeur. Je vous endors. La photo. Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais madame, s'il vous plaît. Je vais vous réveiller. Là, je vous endors. Madame. Allez, vieux tâton, mes deux fesses. Tu vas voir, hein. Comme ça, je vous endors. Eh bien, tu vas traiter ta tête jusqu'aux pieds. Garde, portez-vous aux portes du manoir et gardez les quatre murs de la chambre close. Et à chacune des portes, plantez vos yeux dans les trous de serrure. Madame! Gardez-toi.